Bonjour messieurs et dames, soyez bienvenus dans ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le réglage de la date Citroën C4 Picasso. Parfois on enlève la batterie, parfois il se dérègle tout seul, donc c'est chiant de pas voir l'heure exacte, la date sur le tableau de bord. Et si vous êtes nouveau dans sa chaîne, je vous invite à s'abonner. C'est gratuit dans ma chaîne. Vous ne payez rien pour s'abonner. Donc abonnez, laissez votre like, laissez votre commentaire au bas que je vous répondrai. Donc allons-y. Donc voilà, je suis dans la voiture, la Citroën C4 Picasso. Donc vous voyez, là l'heure c'est pas bien. Et l'heure il date. C'est pas bien. Donc voilà, vous allez voir là. Donc je vais régler quoi, c'est chiant. Donc parfois c'est vous enlevez la batterie, parfois il y a une manip, il se dérègle. Donc c'est simple, c'est tout simple en fait, c'est tout bête, je vais vous montrer. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez mettre le contact de la voiture bien sûr et vous allez appuyer sur ces boutons là, menu. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton menu, il va vous afficher la personnalisation et configuration. Une fois qu'il a affiché ça, vous venez ici là sur votre commande de radio, d'autoradio. Vous allez appuyer rentrer. Vous allez appuyer rentrer. Donc vous allez voir configuration afficheur. Donc vous appuyez là-dessus, toujours appuyé ici, ok. Donc vous allez afficher réglage date heure. Donc vous allez appuyer encore. Et donc voici. Donc là aujourd'hui on est quelle date on est aujourd'hui, je sais plus. 18, je pense. Ouais, 18. On est 18. Vous une fois que la jour, donc jour, vous appuyez ok encore et vous pouvez maintenant avec les flèches là, vous allez mettre dans le jour que vous voulez. Donc 18. Là, une fois que vous avez mis 18, la date, la bonne date, vous venez sur la flèche encore et vous basculez à côté. Donc mai. Donc si vous changez, vous voulez changer la date, mais vous appuyez OK et là vous pouvez jouer. Donc là on est en mars. On est en mars là bien sûr, on est en mars. Donc j'appuie une fois que j'ai validé. Une fois que j'ai choisi le mois, donc j'appuie sur OK. Et après, j'ai avec les flèches. Et avec les flèches, à côté, je vais dans l'année. Je fais changer la date année. J'appuie sur le OK. Et là, je mets année 2020. J'appuie sur OK encore. Voilà. Là, à ce moment-là, je peux changer l'heure maintenant. On est midi. J'appuie OK. Ça change à côté. Midi. Midi, donc là j'appuie sur OK. Midi 24. Donc voilà, là j'ai choisi, je vais 12 au 24. Donc là je vais mettre 24. Une fois que vous avez tout validé, vous jouez toujours avec la flèche là. Vous voyez bien que ça change. Donc vous venez ici là dans OK. Donc là, OK. Une fois que vous êtes sur OK, tout est bien, vous voulez rien changer, tout est bien. Donc vous venez appuyer sur OK. OK, là c'est. Tout est bon, vous avez tous vos réglages à jour. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo. Si cette vidéo ça vous a plu, si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez votre commentaire en bas, laissez votre like, abonnez sur cette chaîne. Je vous promets, je vous prends rien, c'est gratuit. Si vous voulez acheter des produits pour votre voiture Citroën C4 Picasso, je vous laisse un lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver beaucoup des outils et beaucoup de pièces pour votre voiture. Je vous embrasse très fort. À la prochaine.